Avec la même femme. Ouais, avec une petite rouquine. Une rouquine? C'était la petite qui faisait voir toute sa poitrine. Ah oui, elle avait un gros béguin pour lui. Il était complètement sur les genoux. Il a dit à un mec qui était tout près de lui, vous savez, c'est pas le genre de fille qui me plaît en général, mais... mais si ça lui botte, je me baisse et je la ramasse. Tu sais ce que le mec lui a dit? Non. Vous gênez surtout pas, c'est ma femme. Oh, alors ça, c'est la plus drôle de la soirée. Qu'est-ce que t'as mis dans ton coffre? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel drôle de truc. Oh. Oh, on dirait que t'as ramené une fille à la maison. D'où sort-elle? J'en sais rien. Elle est morte. Mais dis donc, pourquoi est-elle là? Mais j'en sais toujours rien. J'ignore qui c'est. C'est bizarre. On l'a mise là-dedans. Ah, tu crois? Il faut peut-être qu'on appelle tout de suite. Non, t'es folle! J'ai plus de 3 grammes d'alcool dans mes veines. Oui, mais il faut faire quelque chose. Arrête de chialer! Est-ce qu'on a pu nous voir? Oh. Faut la prendre et l'emmener ailleurs. Oh non! J'y touche pas! Attends! Donne-moi un coup de main. Les pieds. Tu prends les pieds. Mais elle est pleine de sang. J'ai déjà pris 2 contredanses à Flensburg, alors je risquerai pas d'aller en tôle. Allez, prends les pieds. Elle est pas aussi lourde que ça. Il faut la sortir du garage et la ficher ailleurs. C'est quoi cette fille? Thaïlandaise? Vietnamienne, quoi? Il faut appeler la police. Est-ce que t'es idiote? Les pieds! T'as compris ce que je t'ai dit, hein? Les grouilles, prends les pieds! Et où est-ce qu'on va? Dehors, on la sort de là! Chez moi, je rentre me coucher, pourquoi ça? D'accord, mais pourquoi encore moi? Il y a 48 heures que je bosse. Pour le chef qui me fout la paix, hein? Hein? Bon, d'accord, je vais y aller. Où est-ce que c'est? J'ai retrouvé tout mon sang-froid. Ce n'est pas très beau à voir. D'après ce que je constate, la cause de la mort est la blessure à hauteur du cœur. Coup de couteau. Voilà les 2 personnes qui ont trouvé le corps.
Bonsoir. Le mieux, ce serait que vous veniez avec nous. Ah, je t'avais pas menti. Nous voulons savoir où était votre voiture. Ah oui. Est-ce que ma femme... Non, ce n'est pas la peine. Egon. Egon va revenir tout de suite. C'est là que la voiture est égarée. Nos amis, eux, habitent là. Combien de temps la voiture est restée là? Oh, on est arrivé vers 9h, il y avait déjà une belle ambiance. Nous sommes repartis à 1h. Avec la flotte, il n'y a pas la moindre trace. Appelle-moi le service des empreintes tout de suite. Oui, quelqu'un a déposé le corps dans le coffre de la bagnole. Oui. Je laisse toujours mon coffre ouvert. Votre assurance est mise au courant. Quel est le nom de vos copains? Eibar, mais ils doivent déjà être couchés. Ici, Klein, la centrale, s'il te plaît. Mais enfin, c'est insensé. Une morte dans ton coffre. Une morte, oui. On l'a poignardée et étranglée. Oh, mais c'est affreux. Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Moi? Mais rien du tout. C'est ridicule. Oui, seulement... Comment est-elle venue jusque-là? Parce que quelqu'un l'y a collé. Pendant que la voiture était devant chez toi. Ah oui, devant chez toi? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Après tout, c'est sa voiture. Oui, mais c'est devant chez lui. Oh! Ça doit être une sacrée fiesta. Oui, pas mal. Et qui est le bonhomme allongé, là? Lui? Je le connais à peine. Il a dû venir avec un invité. Combien de personnes y a-t-il ici? Bon, je ne sais plus. Mais il y avait... assez de monde. Oh non, on n'exagère pas. On n'était pas tant que ça. Peut-être une trentaine. Il y avait des filles? Naturellement. Des Asiatiques? Pourquoi Asiatiques? Parce que le corps dans ma bagnole était celui d'une Vietnamienne. Et on te demande s'il y en avait ce soir à ta petite sauterie. Mais enfin, tu y assistais. C'est pas moi qui organisais. Bon, tu crois pas que tu débloques? Mais écoutez, il y avait des Asiatiques, il n'y en avait aucune chez moi. Non, je ne crois pas. Goubec doit le savoir, non? Je n'ai pas tout remarqué. Faites-moi la liste de tous vos invités, nom, prénom et puis les adresses. Une liste de tous les gens? Et complète. Mais il y en a dont j'ignore les noms, voyons. Il y avait trop de monde ici, vous comprenez? Non. Trop de monde? Dans ce cas, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu... des gens. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi dis-tu des choses idiotes? Trop de monde ne signifie pas toujours bordel, vous devez être au courant. Avez-vous de l'eau? Moi, est-ce que j'aurai de l'eau à cette heure-ci? Les empreintes vont arriver seulement. Ça ne nous avancera pas. C'est de réfléchir un peu, Harry. Si l'histoire de M. Goubec est vraie et qu'on admet... Je ne sais rien. D'abord, vous allez vous taire une minute, vous, hein? Si on admet que le corps a été mis dans la voiture, cela signifierait que le meurtrier n'a pas de voiture personnelle, et dans ce cas, il en a forcément cherché une autre. C'est pas forcé. Mais il fallait qu'il... Oh, je t'en prie, Harry. Tu peux pas la boucler, non? Je suis assez nerveux. Bon, d'accord, allons-y, il n'y a pas de voiture. Dis-moi, pourquoi l'assassin est allé se balader avec le corps? Pourquoi s'est-il promené avec le corps? Pardon? Il pouvait le laisser là où il était. Où il l'avait poignardé. Et où est-ce qu'il l'avait poignardé? De toute façon, pas très loin d'ici, parce que si tu as raison et que le meurtrier était sans voiture, c'est logique. Et tu ne peux pas la boucler, moi aussi, je suis nerveux. Bon, assez, hein. Oui, voilà. Que fait une gosse comme elle en pensant que quelqu'un veut la descendre? Elle téléphone. Bravo. Dans ça. Ouais, c'est ici qu'elle a téléphoné. Elle habitait dans le coin, j'ai l'impression. Il n'y a aucune boîte dans le secteur, aucun bar qu'elle aurait pu fréquenter. C'est un des beaux quartiers de la ville. Elle n'avait pas de soutien-gorge, juste une robe et une culotte. Tu penses à une pute? Moi, je sais pas du tout. En asiatique, je n'y connais pas grand-chose. Elle avait l'air intelligent et franc, presque cultivé aussi. Oui, et bien balancé. Tu parles? J'ai trouvé 12 adresses. Il va falloir qu'on fasse tout vérifier.
Et qu'est-ce que tu as? Des adresses tirées des journaux, toutes des hôtesses. Des Asiatiques qui passent des annonces. Comment ça s'écrit? Allez, appelez-moi le mot. Entendu, j'ai pas compris un mot. Toutes ces petites Asiatiques ont des noms d'opérettes. Stéphane, viens voir une minute. Il y a un appel à la suite de notre annonce. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je vous passe l'inspecteur principal. Oui, Dick? Je viens de lire le journal. Il parlait du crime. Il s'agit vraiment d'une Asiatique? Oui. Vous pouvez me la décrire? De très longs cheveux noirs. Descendant jusqu'aux reins? Oui, elle est très petite. Elle portait une robe de soie verte? Oui, verte. Fendue presque jusqu'en haut. Largement décolletée? Très largement décolletée. Vous m'appelez pourquoi? Demandez au docteur Scheibnitz s'il connaît cette fille. Robert Kochstrasse, 43. Oui, mais pourquoi dois-je... Le docteur... Scheibnitz. Oui, pourquoi dois-je demander au docteur Scheibnitz? Je ne dirai plus rien. Quel est votre nom et d'où m'appelez-vous? C'est une bonne chose. Une merveilleuse nouvelle. Vous connaissez la Robert Kochstrasse? Oui, c'est la rue où Goubeck avait garé sa voiture. À celui qui a trouvé le corps dans son coffre? C'est ça. Alors, tout marche sur des roulettes. Mais oui, comme toujours, tout le reste, c'est de la routine. En route. Tu as vu, on est à peu près à 100 mètres de la cabine. Vous venez chez nous? Oui, je désirais parler au docteur Scheibnitz. C'est pas de chance, le docteur est sorti. Vous pouvez quand même nous ouvrir. On n'a besoin de rien. Police criminelle. Et nous avons un mandat de perquisition. Perquisitionner chez nous? C'est sûrement une erreur. Vous êtes chez le docteur Scheibnitz? Oui, je sais, le nom est marqué sur ce papier. Je suis obligée de vous ouvrir. Comme vous voudrez, nous avons aussi le droit d'enfoncer la porte. Non, venez. Venez. Est-ce que vous êtes dans votre droit? Merci. J'appelle le docteur au téléphone. Ah oui, excellente idée. J'espère que vous avez une bonne raison pour venir. On ne peut pas nous traiter comme des criminels sans qu'on ait une bonne raison. On en a une. Nous allons bien voir. Il a une grosse influence. Il se laissera pas faire sans réagir. Vous allez comprendre. Vous me passez, monsieur Scheibnitz, s'il vous plaît. Madame Kulm, c'est très important. C'est un ami du président du tribunal. Ça risque de vous coûter assez cher si vous vous êtes trompé. Allô, docteur? On a des policiers à la maison. Non, ils n'ont rien dit. Bien. Merci, vous êtes trop gentille. Oui. Je m'appelle Derrick, inspecteur principal. Que vous dites? De la brigade criminelle. Je ne vois pas du tout ce que vous pouvez me vouloir. Mais de quoi parlez-vous? Une Thaïlandaise? Mais dis-moi, est-ce que Madame Kulm a vu vos cartes de policier? Quel coup de téléphone? Non. Non, non, je n'ai pas le temps. Seulement. Bien sûr, oui. Bon. Je serai chez moi dans une heure. Il va venir. Ah, on va s'amuser. Peut-être pourrait-on bavarder en attendant. Avec joie. Et qui êtes-vous et que faites-vous dans cette maison? Je m'occupe du ménage, je suis la gouvernante. Ah, vous dormez dans la maison? Oui, je dors ici. Je le refais autant. Pardon? Non, rien, excusez-moi. Vous étiez resté ici pendant la soirée d'hier, par exemple. Est-ce que vous étiez là? Je suis allée voir ma sœur. Quand avez-vous quitté la maison et à quelle heure y êtes-vous revenue? Écoutez, je n'aime pas tellement qu'on me questionne de la manière dont vous le faites. Je n'aime pas du tout la façon dont vous me répondez. Alors, voyons, Madame Kulm. Je suis partie de la maison, il était 8 heures et je suis revenue chez nous ce matin. Donc, vous ignorez complètement ce qui a pu se passer ici hier soir? C'est passé? Qu'est-ce qui a donc pu se passer ici hier soir? Oh, excusez-moi. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Inspecteur Klein, de la police criminelle. Qui vous a laissé entrer? Où est Madame Kulm? C'est Madame Kulm qui a eu la gentillesse de me laisser entrer. Et vous êtes qui? Anita Scheibnitz.
La fille du docteur. Oui. Donc vous ignorez où le docteur Chalmnitz était hier et ce qui a pu se passer? Oui. Je n'en sais rien. Y avait-il quelques bouteilles vides? Avez-vous trouvé des verres? Combien? Est-ce qu'il y avait du rouge à lèvres sur un des verres? Tous les verres étaient déjà lavés. Ah, les verres étaient lavés. Alors, comment vous savez qu'on a pu les utiliser? C'est facile, parce que les verres n'étaient pas rangés comme d'habitude. J'en conclus que le docteur Chalmnitz, hier, s'est servi de certains verres. A pris la précaution de bien les nettoyer et qu'ensuite, il est allé les ranger. Apparemment. Il fait toujours comme ça? Non, pas toujours. Il ne range rien. Non. Très joli. Dites, c'est un garçon ou une fille? Dites franchement ce que vous êtes en train de chercher. Je ne suis pas tout seul. Voulez-vous venir avec moi? Oui. Allez-y, je viens dans une minute. Stéphane? Oui. Le docteur et une fille. Et alors, ça te paraît bizarre? Non, mais c'est la voix du téléphone. Quoi? Madame Coulm? Oui, je viens tout de suite. Mais que se passe-t-il? Hier soir, dans notre rue, une jeune personne s'est fait assassiner. Nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est bien ce que j'ai dit. J'ai téléphoné à votre père. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait venir. C'est complètement stupide. Ça n'est pas nécessaire. Que voulez-vous à mon père? C'est à vous que je désire parler pour l'instant. Bon, d'accord. Puisqu'il le faut. Je m'appelle Derek et vous êtes qui? Anita Chalmnitz. J'ai 18 ans. Et je suis dans un sale état. Vous le constatez. Et votre mère est... morte il y a 5 ans. Je vis seule ici avec mon père. Et avec Madame Coulm. Vous étiez à la maison hier soir? Je suis presque toujours à la maison. On me porte. Quelqu'un me porte dans la voiture. Et puis je rentre chez nous. Mademoiselle Chalmnitz, votre père hier était-il à la maison? Oui. Vous y trouviez-vous également? Naturellement. Où? Là, dans le living room? Oui, dans le living room. Précisez-moi l'heure. Toute la soirée, et puis je suis montée. Ce fut une soirée très calme. Vous devez savoir que mon père est un homme très occupé. Il a peu de temps. On a rarement de telles soirées. Vers quelle heure vous êtes-vous couché? Tard, vers 1 ou 2 heures du matin. Vous voulez autre chose? Oui. Avez-vous eu de la visite hier avec moi? Non, mais dites, vous m'écoutez ou non? Moi et mon père étions seuls. Oh, laissez ça, je sais me débrouiller. Hier soir, qui avait nettoyé tous les verres? Quoi? Quels verres? Vous et votre père n'avez rien bu de la soirée? En quoi cela vous intéresse-t-il? Oh, rien, excusez-moi. Une Thaïlandaise. Ici. Dans cette maison. Bon, écoutez-moi, je n'aurais rien contre, mais il n'y avait personne. J'ai eu de la visite. Hier soir, je n'ai pas à vous le cacher, un compagnon de travail. Quelqu'un que vous pourrez également interroger. Comment s'appelle-t-il? Yudix. Il y a des années qu'on travaille tous les deux. Seulement, je voudrais que vous répondiez maintenant à ma question. Vous avez trouvé une femme, morte, enfermée dans le coffre d'une voiture, qui est restée garée la nuit dans la rue. Pourquoi venez-vous chez moi? Nous avons eu ce matin un coup de téléphone.
Je viens de lire le journal. Il parlait du crime. Il s'agit vraiment d'une Asiatique. Oui. Vous pouvez me la décrire? De très longs cheveux noirs. Descendant jusqu'aux reins? Oui. Et très petite. Elle portait une robe de soie verte? Oui, verte. Fendue presque jusqu'en haut. Largement décolleté? Très largement décolleté. Vous m'appelez pourquoi? Demandez au docteur Scheibnitz s'il connaît cette fille. Robert Kochstrasse, 43. Oui, mais pourquoi dois-je... Le docteur... Scheibnitz. Oui, pourquoi dois-je demander au docteur Scheibnitz? Je ne dirai plus rien. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ça veut dire quoi? Tu as téléphoné à la police? Non, papa, non! Ils ont fait une bande, du coup, de téléphone et c'est ta voix. Madame Kulm! Comment se sentait ma fille ce matin? Elle était dans quelle disposition? Déprimée? Répondez-moi! Elle ne se sentait pas très bien. Pourquoi dites-vous cela? Elle semblait absente. Je lui ai demandé ce qui ne tournait pas rond. Mais elle ne vous a rien dit? Non. Bien. Ma fille a tendance à avoir quelquefois l'esprit un peu dérangé. Elle ne supporte que très difficilement son handicap, j'espère. Enfin, je fais appel à votre compréhension pour ne pas la prendre trop au sérieux. Elle en arrive très souvent à de la provocation comme celle d'aujourd'hui. Elle veut se rendre intéressante. Elle veut surtout que l'on s'occupe d'elle. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu as fait? Je suis désolée. Papa, je suis désolée. Pardon, papa. Pardon. Calme-toi. Avoue que tu as tout inventé. Oui, 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 papa. J'avoue tout. Oui, j'avoue tout. Alors, j'appelle tout de suite un docteur. On rédigera un procès verbal. Et elle vous le signera. Allez, Anita. Non, allonge-toi. Allonge-toi. Reste tranquille. Que voulez-vous d'autre? L'état où se trouve votre fille nous interdit d'intervenir. Moi, je ne veux rien. Cet enfant est un problème pour moi, voyez-vous. Vous devez comprendre. Nous ignorons d'où cela vient. Je pense que vous allez exprimer des regrets de m'avoir ennuyé. Il est trop tôt, docteur. Bien trop tôt. Ça veut dire quoi, ça? Votre fille a donné une parfaite description de la morte. Robe de soie verte, fendue et très décolletée. Détails dont les journaux n'ont fait aucune mention. Alors comment votre fille peut-elle connaître tous ces détails? Et si maintenant nous nous disions adieu, docteur? Ce serait une sortie très spectaculaire. Bonne journée. Stéphane, on a eu la visite d'une fille asiatique qui voudrait beaucoup te voir. Tu vois le genre, une gosse avec un nom imprononçable. Elle connaît la morte. Elle dit qu'elle est hôtesse. J'en crois pas un seul mot. Non, je vous en prie, restez assis. Est-ce que vous parlez notre langue? Oui. Ah, votre nom est Pham Thi. Je prononce correctement? Oui. Bon. On vous a montré plusieurs photos de la morte. Tenez, voici votre passeport. Est-ce que vous la connaissiez? Oui. Elle s'appelle Phu Tham Nu. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à Bangkok. Elle désirait avoir un visa de sortie. Quand était-ce? Oh, il y a bien une demi-année. J'étais tout près d'elle au bureau. Elle voulait un passeport. Voulez-vous écrire le nom, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Qu'avait-elle l'intention de faire en Allemagne? Elle avait un contrat de stage de formation à la clinique universitaire de Munich. Comment l'a-t-elle eu? C'est très difficile à avoir. Elle m'a montré l'homme qui lui avait procuré. Il attendait à l'extérieur. Tiens, vous avez fait sa connaissance? Oui.
Je lui ai dit que je serais très heureuse de faire un stage également. J'aimerais aussi faire quelque chose. J'avais des parents que je désirais aussi aider. Que j'avais plusieurs sœurs et frères. Je lui ai dit que je connaissais aussi la langue que j'avais étudiée 2 années. S'il m'emmenait, ce serait une grande chance pour moi et que ça faisait déjà longtemps que j'avais attendu. Seulement, le monsieur a dit non, il n'y a pas de place en plus. Alors, vous permettez? Oui, monsieur. Est-ce que cette foutame nous parlait notre langue? Pas un mot. Pourriez-vous me décrire ce monsieur? Savez-vous comment il s'appelle? Quel âge il a? Un monsieur assez jeune. Peut-être 30 années. Je ne connais pas son nom. Unix, très heureux. Je vous dis tout de suite que je ne sais rien. Monsieur Derrick? Oui, merci. Bonjour. Et vous appartenez à la police criminelle? Oui, oui. Un mot impressionnant. Oh. On pense tout de suite qu'on a quelque chose à se reprocher. Soyez sans inquiétude. Je peux vous avouer. Non, vous êtes gentil. Je vous en prie. Le docteur Scheimnist vous a téléphoné, je crois. Oui, naturellement. Vous veniez à peine de le quitter. Que vous a-t-il dit? Que dans la rue où il habite, une jeune fille s'était fait assassiner. Poignardée, disait-il. C'est exact? Oui, c'est exact. Oh, excusez-moi d'examiner ainsi les lieux, c'est une très vieille habitude. Je vous en prie. Il vous a parlé de sa fille? Oui, il a dit qu'elle vous avait téléphoné. Vous connaissez Anita Scheibnist? Depuis que je connais son père. Une malheureuse enfant qui a une imagination débordante. Vous avez rendu visite au docteur Scheibnist? Oui, hier vers 9h. Et j'ai passé la soirée chez lui jusqu'à minuit. Quelle était donc la raison de votre visite? Mais les affaires. Nous dirigeons la fabrique. Il n'y avait que vous deux? Oui. Et Anita Scheimnist était... Elle était déjà montée pour se coucher, comme d'habitude. Cette petite tolère assez difficilement qu'on aille la voir. Hier soir, elle n'avait certainement pas envie de rester. Je désirais vous poser une question idiote. Oui. En général, je pose des questions bêtement ridicules. Est-ce qu'on pourrait dire que la fille et le père se détestent? C'est difficile à dire. On croit que non et on peut croire que oui. Vous connaissez cette petite? Est-ce que vous l'avez rencontrée? Non. Où est-elle allongée? En plein milieu d'un garage. J'ai appris que des gens l'avaient trouvée dans le coffre de leur voiture. Oui. Si ça m'arrivait à moi, je pense que mon cœur lâcherait. Je comprends ça. Non. C'est une inconnue. Je suis désolé, mais je ne peux pas dire le contraire. J'accepterai quelque chose à boire. Vous aussi, je crois, non? Asseyez-vous, monsieur Yudik. Pardon. On a trouvé trace de Futam non nulle part, Stéphane. Nous devons encore faire quelques vérifications. Au fait, j'ai sur mon bureau un rapport sur ton toubib en question. Vous permettez que je m'asseye une minute? Tu as entendu? Oui, bien sûr. Voici monsieur Yudik. Il a passé la soirée avec le docteur Scheimnist hier. Il va nous confirmer qu'il était bien seul avec lui et signer sa déposition. Veuillez me suivre. Himmler voudrait parler. Oui. Des empreintes mènent de Wallheim à Rosenheim. Écoute, tu veux rappeler dans un quart d'heure, hein? Merci. Excusez-moi, après un meurtre, il y a toujours un peu d'effervescence. Mais nous avons à présent le nom de cette gosse. Futamnu. La clinique nous indique qu'elle n'a pas de formation. Ah, oui. Il y avait une coréenne chez eux, mais Futamnu est inconnue. Bon, appelez les autres cliniques, l'école d'infirmières, Rotkreuzplatz. J'y vais. Asseyez-vous. Oui. Futamnu aurait été amenée en Allemagne avec en poche un contrat de stage de formation de la clinique universitaire. Et elle n'est pas la seule. Asseyez-vous donc. Oui. On nous a signalé la disparition de 8 autres jeunes asiatiques. Elles avaient toutes des contrats de stage. Vous dirigez une fabrique avec le docteur Scheimnist? Oui, c'est un laboratoire de pharmacie. Et la soirée d'hier était consacrée aux affaires? J'ai déjà répondu à votre question. Je sais, c'est pourquoi je vous redemande si vous et M. Scheimnist étaient seuls. Vous répondrez tout à l'heure. Levez-vous et suivez-moi. Ah oui, voici M. Yudix. Il a passé la soirée d'hier chez le docteur Scheimnitz et prétend qu'ils étaient seuls. Aucune Asiatique n'était présente? Où allez-vous? Voici Mademoiselle Pham Thi. Elle a identifié la morte et a décidé de nous aider. Est-ce que ça avance?
Elle l'a parfaitement décrit. Avec un peu de chance, on l'a dans les dossiers. Ah. C'est excellent, non? Bon, venez. On a le procès-verbal à établir. Est-ce que cet homme est le meurtrier? De qui parlez-vous? Celui-là ou l'autre? Voulez-vous signer? Voilà ses affaires. Ah oui, merci. Vous connaissez? Non. C'est la robe de la victime. Anita Scheimnitz nous a téléphoné. Elle a fait une description de la fille et de sa robe, donc elle la connaissait bien. Nous nous demandons comment elle la connaissait, car elle ne peut quitter la maison. Mais Anita Scheimnitz n'est pas tout à fait crédible. Seulement, la description qu'elle nous a donnée n'est pas un hasard. Robe verte, rouge, jaune, bleu, nous n'avons plus à nous poser la question. Vous signez votre déposition? Oui. Non. Non, c'est hors de question. J'ai pas le temps maintenant. Je m'excuse. Mon père disait que nous serions anéantis. Que le monde allait être anéanti. Et qu'il aimerait que nous quittions cette région très vite. Nous avons commencé très jeunes à apprendre plusieurs langues étrangères. Tout d'abord, le français. Ensuite, l'anglais et l'allemand. J'ai deux sœurs qui sont allées au Canada. Une autre à New York. Et moi, je suis venue à Munich. Et personne ne m'a aidée. J'étais trop seule pour me défendre et n'ai pas réussi à éviter d'être ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé d'appeler toute la... Désolé, je ne savais pas que tu avais des visiteurs. L'homme de la police criminelle. Allez, on se débine. Ici, personne n'a besoin de vous. Ça veut dire? On vérifie son métier. Son métier, je le connais, Harry. Écoutez, vous ne pouvez... Je suis bien trop fatigué pour vous écouter. Mais je venais voir comment elle allait. C'est ça, et moi, je vais vous reconduire. La sortie, c'est la première porte à gauche, et ensuite, c'est tout droit. J'étais persuadé que vous alliez revenir. On arrive difficilement à vous satisfaire. On va essayer encore un peu. Veuillez entrer. Merci. Venez, monsieur. Vous connaissez Anita. Bonjour, mademoiselle Scheibnitz. Que fait votre fille dans un chantier comme celui-ci? Désormais, je l'emmène avec moi pour l'habituer à mes travaux. J'ai conscience que cet enfant est resté seul trop longtemps et ce n'est pas bon. Stockman! Oui? Voulez-vous emmener Anita? Pourquoi?
quoi, je veux rester avec vous. Emmenez-la. Mais non, je veux rester. Faites ce que je vous dis et en vitesse. Oh, mais que personne ne me touche. Alors, mon enfant, c'est moi qui vais te faire sortir. J'aurais aimé poser une question à votre fille, docteur. Faites comme vous voulez. Bon, sortez, Stockman. Nous voudrions savoir si... si vous connaissez cet homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Je vous pose la même question à vous. Non, inconnu. Qui est-il? Tu connais cet homme? Non, j'ignore de qui il s'agit. Bon, vous avez entendu, messieurs? Allez, mon enfant. Tu vas sortir tout de suite. J'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. Ils le connaissent bien. Bon, assieds-toi et ne bouge pas jusqu'à ce qu'ils soient partis. Dis-moi ce qu'ils te veulent, papa. Je te le dirai plus tard. Calme-toi un peu. Stockman, vous faites ce numéro et vous m'appelez quand vous l'aurez. Vous m'appelez tout de suite. Monsieur Udix dit qu'il y a un rapport qui me concerne sur votre bureau. Je peux savoir pourquoi. Oui, Udix a raison. Bah, vous faites donc une enquête à mon sujet. Justement, je désirais vous en parler. On vous demande au téléphone, docteur. Aïe, excusez-moi. Ben, il pouvait prendre la communication ici. Un vieux truc. C'était un coup de fil rapide. Vous inquiétez sur ma personne? Pourquoi ça? Que voulez-vous savoir? Vous auriez très bien pu me le demander à moi. Je viens ici pour ça. Vous ne travaillez pas que dans la pharmacie, à ce que je sais. Non, mais c'est mon occupation principale. Bon, alors écoutez, j'ai de l'argent dans beaucoup d'autres affaires. Et les plus diverses. Diverses, oui, c'est très exact. Vous êtes aussi dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui vous ennuie là-dedans? Le partenaire que vous avez. Vous parlez de Birkman? Oui, Birkman. Nous avons un rapport sur lui gros comme une maison. Ça n'a aucun intérêt, voyez-vous. J'ai misé sur pas mal de boîtes de nuit qui tournent très rond. Ces condamnations, je ne m'en occupe pas. Seulement, vous le saviez. Je sais que la participation vaut le coup. Rien d'autre. J'aime autant mettre du fric dans un bon truc que dans un mauvais. Vous en mettez aussi dans des bordels, je crois. Oh, tu te jures. Vous êtes d'ordinaire des gens sérieux et vous venez me parler de morale, studio. Non, nous parlons de fraude. Car dans ces bordels, il y a des Asiatiques. Oh, ah, je comprends votre idée. Vous voulez sans doute échafauder un petit scénario où j'aurai le principal rôle. Vous égarez, monsieur, et vous n'arriverez pas à me faire coller en prison. C'est vous qui le dites. Avez-vous déjà vu ces hommes quelquefois ici? Non. Dis donc, vous avez déjà vu ce visage? Non, non. Excusez-moi de vous déranger. Connaissez-vous un homme qui ressemble à ça? Non. Vous non plus? Ah non, jamais vu. Et vous? Non. Déjà vu quelque part? Jamais je n'ai rencontré cet homme. Trop poli pour être honnête.
Salut. Salut. Tu le connais? Pas du tout. Inconnu. Monsieur l'inspecteur Derrick? Oui, vous êtes monsieur Birkman. Que faites-vous chez nous? Vous faites voir des photos à ces dames? Ben oui. Vous les connaissez peut-être. Cette petite est morte. Et pourquoi les connaîtrais-je? On pense qu'elle travaillait pour vous. Vous connaissez? Toutes mes excuses, je ne suis au courant de rien. Oui, on sent les sanglots dans votre gorge. Oh, monsieur, je veux surtout n'avoir jamais d'ennui avec la police. Je suis trop respectueux des lois de notre pays. Je crois que vous inquiétez ma clientèle. Voulez-vous venir dans mon bureau? Vous n'avez jamais vu cet homme? Suivez-moi. Elle n'ose rien nous dire. Je crois qu'elles pensent qu'on va les arrêter. Elles ont toutes les miches à zéro. Bon, tant mieux. Est-ce que vous avez des Asiatiques dans votre cheptel? Non, non, nous avons quelques Noirs, quelques Métis des anciennes colonies, mais aucune Asiatique. Vous voulez boire un coup? Non, merci. Il m'en faudrait quelques-unes. Les exotiques sont très aimées. Malheureusement... Ben oui. Et je vais vous dire pourquoi. Trop d'ennuis avec les services de l'immigration. Carte de séjour, permis de travail, différence de langue, non, 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 non. Non, pas question de ça. Bah voyons. Donc, par conséquent, vous n'en avez pas. Je viens de vous le dire. Vous n'en avez pas dans cette boîte. Peut-être dans d'autres endroits. Vous fatiguez pas, je vous redis que non. Je peux? Ah oui, pourquoi pas. Dites-moi, je crois que le docteur Chamniste est un de vos associés. Il a des intérêts dans mes affaires, c'est exact. Vous a-t-il téléphoné? Hier ou aujourd'hui? Pourquoi ça? Pour vous raconter ce qui est arrivé près de chez lui. Mais que s'est-il donc passé? Dans la rue, devant sa maison, une jeune Asiatique, une jeune Thaïlandaise s'est fait descendre. Anita nous a téléphoné pour nous dire que son père avait quelque chose à nous dire. Scheibnitz? Ouais. Non, moi je ne sais rien. Vous connaissez Judix? Celui de Niffenberger, Judix? Oui. Oui, je le connais. Il est associé à vos affaires aussi? Oh, voyons, non, pas lui. Ce n'est pas du tout le genre d'homme. Quel est le genre de Scheibnitz? Écoutez, à partir d'une certaine somme d'argent, j'hésite à me poser cette sorte de question. C'est une boîte sordide. Ça pue comme dans une porcherie. Ou même des cochons ne pourraient pas tenir le coup. Bon, alors quoi de neuf? Il y a eu un appel pour toi, j'ai tout noté, Stéphane. Ah, on dirait que ça remue de tous les côtés. Oui, il doit y avoir du fun qui les rend à moitié dingue. La petite Asiatique a téléphoné. Fanti? Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle voulait? L'homme que nous cherchons se nomme Jerry Chapman. Le mec du portrait robot? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Quel est le numéro? Je te l'ai marqué. Quand a-t-elle téléphoné? Vers 10h, j'ai vainement essayé de... Où était-elle? Elle était chez elle? Oui, chez elle, je lui ai dit de ne pas bouger. Est-ce qu'elle t'a dit d'où elle savait tout ça? Non. Mais espérons que le gars n'a pas vu le portrait. Ça ne répond pas? Non. Elle a dit qu'elle ne sortirait pas, qu'elle attendait ton coup de fil. Amène-toi, Harry. Ah, Stéphane. Oui. Bon, pousse-toi. Oui, allô? Ça va pas, dis. Tiens, passe-moi le calendrier que je vois quand j'ai dormi pour la dernière fois. Harry est déjà là? Il vient d'arriver. Il doit donner un coup de fil. Je vais lui dire. Oui. À ce Chamniz. Chamniz, c'est bien. Bon, attends un petit moment. Qu'il dise à Chamniz d'attendre, nous allons venir. Entendu. Après, tu me donnes un café. Il est déjà là. Même plus besoin de demander. T'es réveillé, Stéphane? Ça se voit pas, si non? Si c'est pas le cas, ça va l'être. Chapman est là. Il est venu de lui-même? Oui. Il a dit quelque chose? Non, pas un traître mot. Mais donc voir pas ici.
Vous êtes Jerry Shepman? Oui. Pourquoi venez-vous? Hier, j'ai appris que les policiers de cette ville se promènent tous avec un portrait robot qui me ressemble beaucoup. Et alors? Et s'il me ressemble autant que ça, me voilà. Avez-vous un alibi pour entre 22 et 24 heures dans la soirée d'avant-hier, monsieur? J'en ai un en acier. Veuillez mettre sur la table tout ce qu'il y a dans vos poches et que ça saute. Une seconde. Pourquoi? Je proteste énergiquement contre... C'est votre droit. Il a un passeport? Oui. On va aller fouiller chez lui. Fouiller? Mais quel droit? Je vous interdis d'aller chez moi. Harry, tu vas nous passer à la moulinette. Ça veut dire quoi? Rien du tout. Je te le laisse. Profil droit. Face. Trois-quarts gauche. Détendez-vous, c'est sans doute pas la première fois qu'on vous fait le coup. Bon, vous m'enlevez tout ça, vous entendez? Mais puis quoi encore? Allez, grouillez-vous, on attend. Mais vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Allez-y ou je m'occupe de vous. L'examen que nous avons fait des ongles a donné également des résultats intéressants. Une minute, il arrive. Tu vas lui dire toi-même. Rien, fausse déposition. J'en étais sûr. Oui? Oui. Oui. Bon, tu continues la fouille, je te dis. Compte en banque, papier, agenda, etc. Stéphane? Oui? L'aéroport. Ah. Derek? Salut, vieux. Je viens d'avoir un renseignement pour toi. Sur le vol Bangkok-Munich. Le mec est revenu ici avec une bande de filles vietnamiennes, thaïlandaises et autres. Un moment. Qu'avez-vous? Il doit y avoir un visa sur le passeport, mais il n'y a rien. Il n'y a nulle part le nom de Chapman sur les feuilles de bord. Il n'y a nulle part son nom sur les feuilles. Oui, oui, j'ai parfaitement entendu. Comment regarde son passeport? Y a-t-il un visa pour la Thaïlande? Non, pas un. En tout cas, pas dans celui-là. En forme, Chapman? Oui. Vous me foutez la paix ou non? Non, pas tout de suite. Vous travaillez pour Berkman, vous ravitaillez son bordel. Ah, c'est amusant, ça. Avec des contrats de stage de formation, vous ramenez les filles d'Asie, de Corée, de Thaïlande, de Hong Kong, jusqu'en Allemagne. Formidable, ce job. Vous pourriez me pistonner? Vous cherchez toujours des filles qui ne parlent pas notre langue et par conséquent vulnérables et sans défense dans un pays inconnu où elles ne comprennent rien et où personne ne les défend. Ah, il y aurait pas mal de fric à se faire, non? C'est idiot que j'y ai pas songé. On va arranger ça, vous m'attendez dehors. Ah bon, faut que je sorte? Oui, avec nous. Vous descendez, grouillez-vous. Voilà, c'est la cabine où on a supprimé la fille. Mais pourquoi me dire ça? Approchez, venez. Peut-être est-ce que vous allez vous rappeler. C'est là que vous avez couru après la fille qui s'enfuyait et vous voulez trouver du secours quelque part. Fantastique. Ça commence à m'intéresser. Bon, pour l'instant, vous êtes tranquille parce que vous ne savez pas tout. Moi, mais je sais rien. D'accord, mais vous ne savez pas. Surtout que quelqu'un vous regardait. Docteur Scheibnitz. Je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. J'emmenais Anita à manger en ville. Qui dois-je connaître? Voici Monsieur Shepman. Est-ce que vous le connaissez? Je ne le connais pas, non. Et vous? Mademoiselle Scheibnitz. Papa, rentre-moi à la maison. Mais Anita, enfin... Papa, on rentre. Enfin, mon enfant, pourquoi veux-tu rentrer? Nous devions aller manger quelque part, alors nous y allons. Non, papa, je veux rentrer, je t'en prie. Veuillez nous excuser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne nous permettra jamais d'interroger ces filles.
Il lui fera aussitôt deux certificats médicaux. La surveillance de Shepman, ça roule? Eh oui, pas de problème. T'y crois vraiment, toi? Harry, quelqu'un l'a vu et il le sait. Quelqu'un qui peut témoigner contre lui. Mais il sait peut-être qu'il n'a rien à craindre. Harry, la fille était complètement terrorisée. Shepman l'a vu aussi, non? Dis-moi, où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle est rentrée chez elle? Non. Elle est maintenant internée en clinique, par son père. De quelle clinique il s'agit? Elle est impossible d'y entrer. Non, ça, je pourrais pas y entrer, mais Shepman peut-être, quoi. L'expression de ton regard rayonne d'intelligence aujourd'hui, c'est sûrement la fatigue. Bon, maintenant dis-moi où elle est, cette clinique. J'étais persuadé que vous n'alliez pas tarder à venir faire un tour. Professeur, voici l'inspecteur principal, Derrick. Vous n'avez pas encore consulté le dossier médical? Bonjour, monsieur le professeur. Veuillez vous asseoir. Merci. Si, j'allais consulter. Vous le mettez en doute? Non. Alors, dans ce cas, je vous demande pourquoi vous êtes venu. Où se trouve la chambre de votre fille? Non, écoutez. Je vous demande où se trouve-t-elle, au rez-de-chaussée, une chambre de devant ou de derrière? J'aimerais comprendre. Ça m'étonnerait. Harry, où es-tu maintenant? Pas très loin, la rue parallèle, au coin de la Schmittestrasse. Ils viennent de garer sa voiture. Est-ce que tu peux me dire de qui tu parles? De qui je parle? De Shepman, bien sûr. Il longe le mur extérieur. Dans quelle chambre est-elle? Attends une petite seconde. Où est-elle? Vous répondez? Voudriez-vous me dire à quoi rime toute cette salade? Il y a 6 heures que nous avons suivi Shepman. Il y a une demi-heure, il s'est dirigé sur l'hôpital. Ici? Oui, il est devant l'entrée. Avez-vous dit à ce monsieur où se trouvait Anita? Non. Non. Seulement, Birkman sait où elle est. Il connaît également le numéro de la chambre? Elle est dans sa chambre, la même que l'ordinaire. Elle est un peu chez elle, dans cet hôpital. Qu'est-ce que fait Shepman ici? Où est Anita? Elle se trouve dans la chambre numéro 6. Harry. Oui, Stéphane. Shepman cherche certainement un endroit pour escalader le mur. Oui. Et écoute, Anita se trouve dans la chambre numéro 6. C'est au rez-de-chaussée, compris? Allez-vous me dire enfin ce que tout cela signifie? Mais enfin, sur quelle planète vous croyez être? Ce gars-là a déjà neutralisé un témoin qu'il gênait. Vous êtes complètement fou. Ça devient de la démence. Vous supposez que Shepman oserait? Monsieur le professeur. Rez-de-chaussée, chambre 6. Allez-y tout doucement. Voulez-vous, je vous prie, montrer le chemin à mes hommes, professeur? Hein? Oui. Merci. Suivez-moi. Vous voulez dire que ce Shepman serait capable... Vous ignorez donc dans quel milieu vous avez investi vos capitaux, docteur? Par ici. Bon, d'accord. J'étais bien au courant. Mais pour la petite, qu'ils la recherchaient, ces gens passaient leur temps à cavaler après des Asiatiques. Ça devenait obsessionnel. Je n'ai pas cru que les choses iraient aussi loin qu'elles sont allées. Et je les ai laissées venir à la maison. Il vous dit que c'était devenu fou de ces filles. Quant à moi, je m'en moquais. Je n'avais pas de raison de penser qu'une d'elles s'enfuirait dans la rue. Alors j'ai dit à Shepman, mais pense en cours tout de suite la chercher. Elle risque d'alerter tout le quartier. Alors voilà maintenant le résultat. Couchez-vous!
Bonne nuit, Stéphane.